quelque chose. Ok, c'est humain. Y a quelqu'un? Ça va aller. Vous ne craignez plus rien. Désolé pour le scan, mais on ne peut prendre aucun risque. Docteur Freeman? Gordon Freeman? C'est bien vous? Vous êtes arrivé tellement vite, Ellie va être stupéfait, pour ne pas dire soulagé. Je suis le docteur Judith Mossman. J'avais entendu parler de vous bien avant l'incident de Black Mesa. Oh, Black Mesa. Je vous envie d'avoir pu travailler avec Ellie et le docteur Kleiner au sommet de leur art. Ah, ça y est, vous pouvez avancer. Mais allons voir Ellie tout de suite. Il ne me pardonnerait pas de vous avoir fait attendre. Content de vous connaître. Un peu plus d'aide ne nous ferait certainement pas de mal. Nous avons bien avancé ces derniers mois, mais tout irait plus vite si nous avions plus de personnes de votre expérience. Nous approchons d'une technologie de téléportage local fiable, ce que les cartels ne maîtrisent pas encore. Ellie pense que leurs portails sont basés sur des chaînes, comme notre modèle Calabio, mais ils n'ont pas pris en compte le principe d'énergie vide. Ils peuvent s'infiltrer de leur univers, mais une fois ici, ils dépendent des transports locaux. S'ils savaient ce qu'on fait des accrochages... Mais qu'est-ce que je dis, moi? On dirait une étudiante. C'est juste que je suis tellement contente d'avoir enfin la chance de travailler avec vous. Où étais-je? Ah oui, le docteur Kleiner a pu comprimer le relais Xen bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer à Black Mesa. Nous savons comment utiliser les Xen comme axe inexprimé, en réalité un lance-pierre dimensionnel. On pourrait faire le tour de la zone frontalière et revenir dans l'espace local sans traverser. Ah, voilà Ellie. Ok, c'est bien, continuez comme ça. Ellie, regardez qui j'ai trouvé dans le sas. Gordon Freeman. Laissez-moi vous regarder. Mon Dieu, mais vous n'avez pas changé d'un iota. Comment faites-vous? Voyons, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai envoyé chercher de l'aide à la cascade de résonance. Je ne pensais pas que vous mettriez si longtemps à revenir. Bienvenue au labo. Ce n'est pas celui de Black Mesa, mais il nous sert bien. Avec Gordon pour nous aider, ça va être comme à Black Mesa. Exactement. Les diplômés du MIT sont de moins en moins nombreux. Enlevez cette combinaison pour environnement hostile et remettez votre bonne vieille blouse. Je finis et je vois ce que je peux trouver. Docteur Freeman, c'est un grand honneur. J'ai hâte de collaborer avec vous. Vous pouvez jeter un coup d'œil. On a presque réussi à faire marcher ce portail. Mais je ne vous en voudrais pas si vous n'êtes pas volontaire pour les prochains essais. Gordon, les Vortigantes ont dit que vous étiez là. Je n'y crois pas, vous êtes venu si vite à pied. Il a battu ton record, ma puce. Ah, il l'a bien mérité. C'est clair que vous pouvez gérer la situation tout seul là-bas. Il n'y a rien que Gordon ne puisse gérer. À part toi, peut-être. Oh, papa. Regardez-moi ça, Gordon. Les Vortigantes ont pris la relève et je viens voir Gordon. De toute façon, je devrais être ici à travailler sur le portail.
Les réparations sont sous contrôle. On a sous-estimé le thyristor du cartel. Vous m'accusez, là ? Non, pas du tout. C'était une erreur de calcul, pas un problème mécanique. Alors la prochaine fois, vous devriez peut-être me laisser faire les calculs, en plus de l'installation. Franchement, Alix, j'ai l'impression que vous faites exprès de ne pas me comprendre. Alix, pourquoi n'emmènerais-tu pas Gordon s'entraîner sur le pistolet antigravité ? Bien sûr. Venez, Gordon. On va bien s'amuser. Le manipulateur de champ énergétique 0.0 n'est pas un jouet, Alix. Sortons d'ici. Je vois que vous avez rencontré le docteur Mossman. C'est surtout à cause d'elle que je passe tant de temps dehors. Il faut l'entendre quand elle dit que c'est elle qui aurait dû être dans la chambre de test de Plaque Mesa ce jour-là. Pardon, je ne devrais pas parler dans son dos. C'est juste qu'on est un peu à l'étroit ici. Ce vieux passage mène à Ravenholm. On ne va plus là-bas. Avant, on pouvait aller directement à Ravenholm. Les rescapés de Cité 17 habitaient dans cette vieille cité minière. Si ce tunnel est bouché, c'est pour une bonne raison. Bon, nous y voilà. La casse. Voici le pistolet antigravité dont mon père parlait. On l'appelle aussi manipulateur de champ énergétique 0.0, si on préfère. À la base, c'est pour des matières dangereuses. Mais on s'en sert surtout pour porter des trucs lourds. Essayez. La première gâchette envoie une décharge. Vous pouvez tirer un truc et l'envoyer valser. C'est pratique pour nettoyer les champs de mines. La deuxième gâchette permet d'attraper des trucs que vous pouvez lancer avec la première. Quand vous avez quelque chose, appuyez sur la deuxième gâchette pour le déposer doucement. Ramassez un truc et jetez-le. Vous pouvez aussi tirer des trucs de loin. Essayez d'attraper les canons sur le rebord là-haut. D'accord. Essayez d'empiler des trucs pour grimper. Essayez d'empiler des trucs. Attrapez un truc avec la deuxième gâchette. Puis appuyez de nouveau dessus pour le déposer en douceur. D'accord. Attendez, j'appelle Chien. Il adore jouer à la balle. Chien, au pied. Bon chien, chien. Gordon, c'est Chien. Papa l'a fabriqué pour me défendre quand j'étais petite. Le premier modèle était à peu près grand comme ça. Il a bien changé depuis. Pas vrai, mon chien ? Ok, chien, on va jouer avec Gordon. Il faut le pistolet antigravité.
Allez, chien, lance. J'attends un autre chien. Encore un chien. Génial. Allez, chien, lance. Excellent. Chien, va chercher ta balle. Jette le chien. Essayons autre chose. Chien, lance un truc plus gros. Non, chien. Non, mon chien. Par terre. Mets par terre. Qu'est-ce qu'il y a, chien? Oh mon Dieu, c'était quoi? Des scanners. Ah, le cartel balaie la zone. On doit retourner au labo. Venez, Gordon. Non, chien. Non, mon chien. Par terre. Mets par terre. Qu'est-ce qu'il y a, chien? Des scanners. On doit retourner au labo.
Alix, tu m'entends? Alix, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ici? Où es-tu, Alix? Nous sommes dans le sas de la casse, coincés en plein cycloto. Gordon est toujours avec toi? Il est là. Bien, je voudrais que vous... Papa? Emmène Gordon, allez vers la côte. Ne passez pas par Ravenoff. Papa? Papa! Bon sang! Chien, ouvre le sas, sors-nous d'ici! Vite, maintenant! Casse-la s'il le faut, mais ouvre-la! Chien, ça suffit! Allez, Gordon! Venez! Gordon, il faut que vous partiez d'ici. Je ne peux pas laisser mon père. Chien, emmène Gordon au tunnel de Ravenholm. Puis tourne autour et rejoins-moi. Vite! Thank you.
Sont devenus pareils à ces étranges démons qui habitent la matière, mais n'abritent aucune lumière. Dans le vent, puisse l'ange du Seigneur les pourchasser. Tiens, qui est-ce donc? Une autre vie à secourir? Je garderai l'œil sur vous. Je ne peux rien promettre de plus. Ah!
Mineur.
Bravo, mon frère. Utilisez mes pièges, mais prenez garde de ne pas y tomber vous-même. Derrière vous! Ravenholm, mieux vaut être vigilant. De mieux en mieux. Je suis le père Grigori. Je crois que vous connaissez déjà ma congrégation. Thank you.
c'est vous, mon frère. Pardonnez-moi, mais ne vous inquiétez pas, mes balles sont le cadet de vos soucis. Peu m'importe qu'il me traite de fou, car c'est vous qui êtes mon aide, ma force.
Thank you.
Ici, mon frère. Approchez. Vous avez réveillé les enfers. Voilà un homme de mon envergure. Voici une arme bien plus appropriée. Vous en aurez besoin. Attrapez. C'est bien. Ne le lâchez pas maintenant. Un conseil. Visez la tête. Silence. Ils arrivent. Ravenholm ne connaît pas la paix. Continuez. Je vous rejoins à l'église. Ce n'est pas moi que vous cherchez, mais la lumière que je répands.
système de soins activé. Thank you.
puis... Ah, vous voilà. Enfin. Je vous envoie le chariot, mon frère. Ça ne prendra qu'un moment. Patience, mon frère. Montrez-vous prudent. Ça y est presque, mon frère. Allez, montez dans le chariot. Le frein à main, desserrez-le et revenez. Bonjour, mon frère. Enfin, nous nous rencontrons. Vous méritez des louanges pour avoir vaincu mes pièges. L'œuvre d'un homme qui n'avait que trop de temps à gâcher et dont chaque seconde est aujourd'hui vouée à la rédemption. Vous n'avez sans doute pas l'intention de rester à Ravenholm. Laissez-moi vous conduire aux mines. Quant à moi, un berger doit garder son troupeau. Surtout lorsqu'il s'écarte du droit chemin. Suivez-moi, mon frère, et marchez délicatement. Cette terre est bénie. Venez!
J'ai besoin d'aide, mon frère. Restez près de moi, mon frère. Ah! Prêtez-moi main forte, mon frère. Ah, je ne peux pas les combattre au sol. Ce n'est pas moi que vous cherchez, mais attention, mon frère. Soignez vos blessures, mon enfant. Avancez vers ma lumière. Venez. Suivez-moi. Pressons-moi. Posez-vous. Retrouvez votre vraie nature. Je tiens la porte. Allez vite. Fuyez, mon frère.
En avant vers les mines! Adieu, mon frère. Je crains de vous laisser dans un bien sombre lieu. Que la lumière des lumières éclaire votre chemin. Pensez à votre propre salut. Ha 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 ha